Salut à tous. Donc pour Valm, n'écoutez pas, j'ai dit des conneries. Je vais me rappeler où c'est. Donc en fait, faut combattre Shadarnook. Enfin, ça sert à. Je parle tout seul là. N'écoutez pas. Donc, faut aller dans une ville. C'est la ville où où il y a les trucs des enchères là. Je me rappelle, mais je sais plus du tout où elle se trouve. Alors, je vais essayer de trouver. Je la reconnais du premier coup d'œil, hein, si je rentre dedans. C'est pas celle-là. Bon, je vais pas faire toutes les villes, vous inquiétez pas, je pense que je vais la retrouver quand même. Peut-être qu'elle est sur l'autre continent. Alors, tiens. Est-ce que c'est pas celle-là par là? Il me semble que c'est celle-là. Non, c'est pas Miranda, putain. Ça m'énerve. C'est quoi ce truc? Ah bah c'est l'opéra. Donc là j'ai la possibilité de me battre contre un des dragons. Bon, c'est un peu chaud hein. Je vous le dis, c'est très chaud même. Donc si vous voulez je vous montre à quel point je me fais exploser la gueule en 5 secondes. Vous allez comprendre pourquoi je préfère pas y aller. Quoi. Donc déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a float? Warp, vite, stop, dissipation, séance calme. Donc là, si j'ai pas le truc pour flotter, je suis mort. Hein. Il faut le sort pour flotter en l'air, en fait, parce qu'il lance des attaques de terre. Ils font super mal. Flotte. Le coup. D'abord je vais me reposer. Alors j'espère que ça va pas enlever mon mitaflotte. Et franchement je tente mais je suis pas du tout, mais pas du tout sûr d'y arriver, hein, je vous le dis. Même d'énormes chances que je me fasse exploser. Parce que bon ça a rien à voir avec le dragon de glace. Je peux faire des attaques de vent si je me trompe pas. Et voilà, j'arrive pas. Oh, putain. Que t'en faire. Donc ça en plus ça passe avec le temps à flotter. Hein. Donc quand je l'ai plus, je suis mort. Il fait des dégâts tellement énormes que je vais me faire tuer. Voilà. Et donc pour y aller en fait. Vous vous rappelez de l'opéra, hein, je pense. Donc il fallait actionner la manette la plus à droite avant. Et en fait si on se gourde manette, on tombait sur la scène, ça vous l'avez pas vu. Je l'avais pas dit. Donc voilà. Et on se retrouve devant le dragon. Donc là on est obligé de le combattre parce qu'elle bouge toute seule en plus. Donc j'ai 90% de chance de crever. Sans déconner hein. Ah bah ouais, pas con. Il va se tuer tout seul comme ça. Ah ça ne fait rien. Je peux me transformer. Bon. Alors là il y a un truc assez énorme, c'est que normalement il fait une attaque de terre sur tout le monde même sur lui, mais lui ça lui fait rien. Comme là je lui ai fait qu'il craint la terre, et bah du coup ça lui fait des dégâts. Donc j'ai peut-être une chance de le battre comme ça. Donc, je connais pas les sorts hein, contre lui les plus efficaces. Mode 2. Oh putain. Je savais pas qu'il savait faire ça. Merde. Je vous l'ai dit, j'ai 90% de chance de crever, bah c'est pas pour déconner que j'ai dit ça. C'est juste pour vous montrer, si je crève tant pis. Je crois que c'est un dragon les plus chauds de toute façon.
savais pas qu'il avait un truc pour me faire descendre en fait. Merde, mais quel con. Donc ça c'est une attaque efficace sur tout le monde de toute façon. Donc c'est la seule qui arrive à lui faire assez de dégâts hein, de toute façon. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il pourrait lui faire mal. Non, je me suis gouré. Voilà. Oh putain, j'ai réussi. En plus, le poison, ça lui fait de ses dégâts, putain. Il est empoisonné, je sais pas si vous avez remarqué. On était pas de perdre la vie. Donc en fait, c'est dû, en fait, en grande partie... Voilà, il n'y a plus rien à faire ici. Oui, pourquoi j'ai gagné aussi facilement? Ben en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que ça, vous savez que ça invente une faiblesse, l'outil d'Edgar. Et c'est l'inventer la terre. Là, c'est le dragon de terre, en fait. Normalement, il fait une attaque de terre de zone qui touche même lui, mais lui, ça lui fait zéro, en fait. Et comme là, il craignait la terre, ben, il la faisait pas pour pas se prendre de dégâts. Et du coup, il faisait que des attaques, les autres attaques qui sont moins puissantes. Sinon, il m'aurait tué à un coup, hein, il m'aurait fait 4000 à tout le monde. Alors, moi j'ai eu de la chance que ça tombe sur terre. Mais bon, j'ai pas me plaindre. Bon, j'hésite, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, est-ce que je vais prendre Cyan? Est-ce que je vais prendre... Cyan, il y a un dragon d'ailleurs, là où il est. Et qui sinon? Il y a Realm. Ah ben, je devais aller à Jidur, c'est vrai. Ah voilà, c'est Jidur la ville, putain, je viens de me rappeler. La ville de... l'Opéra. Des enchères. C'est pas ça. Mais je sais pas me repérer, putain. Je vais la chercher, cette ville, hein. Enfin, je vais pas la chercher trop longtemps. Alors, est-ce que ça se... Ah, mais je suis con, c'est la ville juste à côté de l'Opéra. Donc c'est ça. C'est celle-là, normalement, c'est obligé. Ah, je suis sûr que je me trompe pas. Ouais, c'est cette vie. Donc là, est-ce que j'ai beaucoup de fric déjà? Bof. Parce qu'il y a un truc à faire avec du fric ici. Donc la vie, la musique a changé. Donc avant, on vous rappelait, il y avait les enchères, mais on pouvait pas y aller. Maintenant, on peut. Vous voyez, à côté de moi, il y a un gosse avec son père, vous allez voir, c'est énorme. On aimerait bien la voir. De toute façon, on peut pas la voir, hein. On peut pas la voir, vous allez voir. Vous allez voir, c'est énorme. Je fais ça pour déconner, de toute façon, je l'aurais pas. Voilà, c'est ça qui est marrant. On peut pas la voir. Non, c'est à 50 000 pour l'instant. Je fais ça exprès, de toute façon on peut pas la voir, je vous le dis. 1 million. Le gars il passe de 60 000 à 1 million, toi. Voilà l'objet aléatoire, donc moi j'essaie d'avoir le truc de magicite. Donc voilà, là ça tombe sur ça, des fois ça tombe plein de fois sur ça, donc il suffit de quitter la salle et revenir. Hein. Après
il y a le truc du kappa aussi. Du coup. Voilà, ça c'est magicien, tu me la fous absolument. Il me les faut tous, de toute façon. Enfin, il y en a une que j'aurais pas parce que. Voilà. On verra pas. Deuxième truc à avoir. Là, je cite. Donc là j'ai eu de la chance, je suis tombé dessus au début. Bon, le truc du gosse et du père c'est marrant une fois, mais quand on tombe 10 fois dessus et qu'on a envie d'avoir les magicites, ça fait chier. Bon, voilà, quand on en parle. Impossible de l'avoir à mon avis. Il y a peut-être un bug du jeu qui permet de l'avoir, je sais pas, mais. C'est chiant de le voir plein de fois, ouais. Genre le truc il saute, t'sais. Après il le suit, c'est trop con. Quand il était vivant, c'est ça qui est con. C'est con. Alors des fois il y a des bons trucs, il y a des anneaux, il y a certaines reliques, etc. Peur des reliques ici aussi. Moi ce qui m'intéresse c'est les aspects. Si c'est une bonne relique, je la prends quand même. Sauf que je connais pas les noms forcément. Ah yes, celle qui me manquait. Enfin. Putain, elle est beaucoup plus chère que l'autre, là c'était 10 000. Voilà, on a Golem et... Alors Golem c'est vraiment sympa. Pas parce qu'elle apprend des bonnes magies, mais... Elle est sympa pour son effet, en fait. Voilà, ça protège l'équipe des gars, en fait. La deuxième qu'on a acheté, c'est Zone Seek. Donc c'est assez sympa parce que ces trois sorts vont être très utiles dans la tour des mages. Pour le boss. Elle est sympa la musique. Bon, allez. Ça, c'est la seule ville qui est pas détruite en fait, hein, je crois. Voilà, maintenant je vais récupérer le helm. Vous allez voir comment on fait. En fait, je vous l'avoue, je suis allé voir une solution internet parce que je me rappelais plus. Mais après, dès qu'ils m'ont dit d'aller dans la maison, je me suis rappelé quoi. Bon, faut pas l'allumer tout de suite, je crois. Voilà. Thank you.
parle que de trucs importants en fait. Enfin, quasiment. Ouais. Voilà. Donc l'appareil d'une lampe, faut l'allumer. La peinture, celle de l'empereur Gestal, si je me trompe pas. Il y a un truc à faire avec, je sais plus quoi. Voilà, on se fait attaquer par la peinture. Merde, je me rappelle plus comment on fait. Oh putain, je me suis gouré. Parce que je voulais faire. Alors des fois ils nous soignent, ils font un peu n'importe quoi. Voilà, et une fois qu'on a battu la peinture, vous allez voir, c'est marrant. Hop, une porte. Nous voilà au début d'un long donjon. Enfin, pas très long, mais le boss est assez chaud. Et on retrouve Realm au bout. Enfin bon, c'est pas assez facile. D'ailleurs, vous allez vous marrer. Je suis le seul à avoir fait ça, à mon avis. Je vais vous expliquer. Le boss de la tour... de la tour des fanatiques. Là, on peut utiliser que la magie. Vous l'avez pas encore vu. Donc, il y a trois techniques pour le battre. Enfin... il n'y en a que deux normalement. Donc la première, en fait, bon, je vous explique ce qu'il fait. Il craque la magie, il change de faiblesse tout le temps. Et quand il crève, il lance l'ultima, il bute tous les persos. Donc soit on lance V3 et on ressuscite à la fin, soit on le bouffe tous MP et il peut pas lancer l'ultima. Alors moi j'ai trouvé une autre truc. Vous voyez cet ennemi là? Et ben il donne des balles quand on le vole, des super balles. Bon, super balles c'est pas pour attraper le truc. Ouais. Donc il donne des super balles. Et moi je suis venu ici avec Loki. J'ai volé 99 super balles. Je vous mens pas, hein, 99. Et en fait je suis arrivé devant Magi Master, vu qu'il craint il craint pas les coups. J'ai balancé des balles avec tous les persos, ça lui faisait 3000 à chaque fois. Et je l'ai buté qu'avec des balles en fait. Donc c'est assez original. Bon, moi je connaissais que la tactique de faire V3. Après j'ai vu sur internet qu'on pouvait lui bouffer ses MP, ça le bute. Et il peut pas lancer l'ultima à la fin. C'est aussi bien. Ah, ça c'est énorme quand même. Hop, on s'assoit sur la chaise, et on se fait attaquer. Sympa, sympa. J'avoue. Ouille. Ah, enfin. Merde, je me suis gouré. Je crois que j'ai fait le mauvais truc. Avec cette ligne. Bon, ça a chier son truc. Là ça va faire mal par contre. Oh bah non, ça va encore. Vous avez vu, il y a des petits événements marrants avec les tableaux et tout ça. Franchement j'adore ce FF pour tous ces petits trucs quoi. Moi il y a une femme. Il y a des portes qui font chier aussi, qui nous renvoient en arrière. Alors ça c'est marrant, il n'y a que Strago et Ren qui peuvent le porter. Et une fois qu'ils l'ont, bah ils sont déguisés en mode en combat, ils ressemblent à même. Bon, je vais vous laisser là. Vous allez voir la suite et fin de ce donjon, enfin je pense. À la prochaine vidéo. Allez, salut.